Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 2 du Let's Play Rise Son of Rome. Donc dans l'épisode 1, on est dans le passé. Notre père avait succombé et on avait été engagé dans la 14e Légion et nous venons de débarquer sur Britannia, donc en Angleterre. Et puis voilà. Donc tout de suite, on est parti. Suite directe, donc lui il m'a pas donné de truc. Enfin si, il m'a donné son bouclier et son épée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit cadeau. Ah ouais, si vous voulez, on peut regarder la mer et les bateaux qui se prennent des boulets, des trucs. Alors, je dois... Attends, qu'est-ce que je vais mettre? Ça, c'est quoi? Tiens, expérience. On va mettre de l'expérience. Ok, expérience, ok. Nous n'abattons pas cette tour. Toute notre flotte sera détruite. Ok, donc objectif, défoncer la tour. Ah voilà. Un parchemin. Ah bah c'est cool ça. Mais dis donc, ils en donnent. J'allais dire on regarde, on sait jamais, bah voilà. Chronique. Alors, appuyez sur 1 ou Y. Maintenant foncez pour placer une attaque lourde. Ah, je me cours de boutons. Ah bah tant pis. Allez, on rejoint la 14e. Bah oui, tu vois des archers, tu cours pas.
encore des hommes à sauver. Oui, Marius. Tu ne t'attendais pas à ça, Romain. Écrasé par ton propre camp. Donne-moi ça. Courez, c'est pas grave. Continuez de chercher les survivants. Je vais m'occuper d'eux. Il n'y a pas, j'ai ramassé les lances, donc c'est bon, on y go. On accélère. Soldats, écoutez, la flotte est détruite, la plage est tenue par l'ennemi. Nos hommes se noient dans ces eaux, il faut se replier. Curieux, mort, doit être mort. On se replie, on a un point de ralliement. Attention, personne n'avait prévu ça. Les hostiles étaient bons pourtant, ils étaient bons. Tenez, jusqu'à ce que je donne l'ordre. Bon, on va pas les avoir. On y va. À la tour! Écoutez-le! Sans Marius, on serait tous morts! C'est bon, les gars, allez, on y va. Presque à la tour.
formation! Bouclier! Rapprochez-vous! Gardez la formation! Bouclier! À droite! En position! Bouclier! Prêt. Formation tortue! En avant les gars. Ils ont eu peur de notre formation tortue. Allez, soulevez le contrepoids. Je vais monter pour dégager les traces. Je peux pas descendre, ok, y'a rien. Ok, j'y go. Oh putain, j'avais pas vu. Oh là là, je me suis fait découper. Ah, trompé, pas grave. Et qu'est-ce que je dois faire? Non, mais c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Contrepoids en position. Allez-y. Thank you.
Eh ben. Écoutez, soldat. Le brave ne goûte à la mort qu'une fois. Mais le lâche meurt plusieurs fois. Nous avons fait couler le sang des barbares. Ils sont mortels, comme nous. Prêt ! Avec moi ! En avant ! Ouais, t'as perdu un bras. Avant que la flotte soit réduite à néant. Allez, aidez! Vite de bouclier! Préparez-vous! Tenez bon! Tenez les rangs, là! Viens!
Ouais, vous demandez ce que je fais. C'est là-bas que j'avais. Je cherchais des trucs verts. Non, non, non. Ok, bon, on est parti. Allez, les gars. On va tous les tuer. Ah bah voilà. Il faut tenir cette barricade jusqu'à l'arrivée de nos archers. Légionnaires, formez une ligne. Allez soldats, prenez ce fort. En avant. Allez, en avant. Défense rapprochée en place, les archers. Attention. Ok, là-bas il y a un mec. J'ai encore des trucs, ouais. Ok, bah je vais aller le chercher. Il nous faut des renforts. Je peux pas descendre là ? Ah, j'ai perdu. J'ai pas vu. Bah voilà, ma première lose. Je pensais que je serais mort à cause d'un combat direct. Faut tenir cette barricade jusqu'à l'arrivée de nos archers. Légionnaires. Ah ok, ça me l'a compté. Allez soldats, prenez ce fort. En avant. Allez. Tuez les archers. Je suis en train de... Ah ouais, putain, j'étais en train de mourir. Offrir un tir de suppression sur les archers ennemis, mais vous n'aurez aucun renfort encore à corps. Vous obtiendrez des renforts encore à corps, mais vous... devrait éviter les flèches des archers ennemis. On va faire ça. Archer à l'avant. Ok, j'en ai plein. Yeah.
Ah oui, c'est par là donc. On peut les prendre sur le côté droit ou s'emparer du porteur à gauche. Je choisis ces mots. On peut les prendre du côté droit ou les ou prendre le scorpion. Bon, on va prendre le scorpion. Gouré de boutons. Là, le pont le vide. Arrêtez-vous derrière les que je suis en... je prends à droite, je prends là. Le peuple appréciait votre père, Marius. C'est un honneur de servir son fils. Par ici. Montez ! Vite ! Thank you.
Emparez-vous de la catapulte et dirigez-la vers la tour. Faites-nous signe quand vous êtes prêts. On va les retenir. C'est compris. À la catapulte! Le coup de pompe à la Spartan là, ça j'ai bien aimé. Oh putain! Là, ça va être un peu chaud. Bouya! Ça fait bizarre les mecs, ils ont une sorte de château et tout ça alors qu'ils ont font barbare quoi.
Commandant! De bons officiers et de bons soldats sont morts aujourd'hui. Marius, tu as prouvé que tu pouvais commander. Tu as gagné le respect de ces hommes. Alors, prends ce casque et porte-le. Super, un casque ramassé sur un cadavre. Saluez votre nouveau centurion! Du calme, soldat. Bien. Maintenant, vous savez de quoi ces barbares sont capables. Ces sales chiens sont prêts à tout pour nous anéantir. Mais ils oublient à qui ils ont affaire. Rome, c'est la civilisation. Rome, c'est l'ordre. C'est la puissance. Et ensemble, nous sommes Rome. Commandant, le roi Oswald et ses barbares marchent sur York. Le général Commodus et la 6e cohorte ont attaqué l'ennemi. Mais nous n'avons aucune nouvelle. Sécurisez les derniers navires et déchargez-les. Que les hommes se tiennent prêts. Nous marchons sur York! Notre marche vers le nord et le cœur de la rébellion fut brutale. Notre progression était retardée par des escarmouches sanglantes avec des tribus vindicatives. Rome avait apporté paix, richesse et prospérité à ces îles. La rébellion avait fait voler tout cela en éclats. Mais enfin, nous y étions. Nous approchions du berceau de cette révolte, fief du roi Oswald et de sa fille guerrière. Les éclaireurs m'ont fait savoir qu'une grande armée de barbares approchait. S'ils réussissent à rejoindre cette armée, nous n'aurons aucune chance. York sera perdu. Par les dieux, ces barbares hirsutes sont 20 fois plus nombreux que nous. Nos pertes seraient énormes si nous les attaquions de front. Vous n'allez pas attaquer. Leur chef, le roi Oswald et sa fille Boudica sont là-bas avec eux. Si nous le capturons, les chefs de tribu devront déposer les armes pour obtenir sa libération. Alors Oswald devra s'agenouiller devant Rome et lui prêter serment. Ces barbares ont un code de l'honneur qui leur est propre. Ils n'ont qu'un honneur. Ces chiens osent défier la puissance de Rome. Ils méritent de subir notre châtiment. Notre châtiment? Ou le tien? Commandant... Assez! Nous allons mater cette rébellion à ma façon. Sans exposer ces braves soldats à des risques inutiles. Est-ce que c'est clair, Centurion ? Très clair, commandant. Parfait. Un petit groupe d'hommes va infiltrer le camp ennemi et capturer Oswald et Boudica. Je vais mener le gros de nos troupes et intercepter leurs renforts. Et quels sont mes ordres ? Je t'ai promis du sang, tu te souviens ? Tu vas capturer Oswald et Boudica. Mais avant de faire avancer tes hommes, tu devras éliminer tous les archers postés sur l'aqueduc. Tu commenceras donc tout seul. Je suis à vos ordres. C'est un honneur.
Bon, bah on va se retrouver. Voilà, on est tout seul. On va tous mourir. Enfin, on va tous mourir. Vu que je suis tout seul, il n'y a que moi qui vais mourir. Et bah donc, je décide de. Hop, de couper ici. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode 2 qui fut fort mouvementé. Et de toute façon, les prochains épisodes vont être aussi fort mouvementés. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir pour suivre l'épisode 3. Et moi, je vous dis bah, ciao les amis.